On va faire un gros plan, un zoom avec toi, mais d'abord, petit indice musical, parce qu'il y a pendant 4 jours, il a été question de ça. Focus sur Pernet, le plus grand technival d'Europe. Oh là, tu bouges tes jambes. C'est ça. J'aime ça, en fait, cette musique techno. On est dans le... Effectivement, 4 jours de gros sons qui ont commencé le week-end du 1er mai, donc du vendredi au lundi. C'est ça. Bien 4 jours. C'est quoi, en gros, un technival? Alors, Audrey, le concept d'un technival, en fait, pour schématiser, hein, c'est une grande fête en plein air, avec de la musique techno, donc à fond, dans des grosses enceintes. Et les gens qui viennent à ce genre d'événement, on les appelle les toughers. Les toughers, exactement. Et les groupes qui diffusent la musique dans les énormes enceintes, c'est les sound systems. Ah ouais, tout ça, vous le savez. Alors, le truc, c'est que pour les technivals, très souvent, en fait, il y a un effet surprise parce qu'on sait le lieu au dernier moment. Et donc, les participants, en fait, savent qu'ils vont aller à un technival. Exactement. Parce qu'en fait, il y en a deux, on va dire, deux gros technivals par an, le 1er mai et le 15 août. Donc, ils savent qu'il va y en avoir un, mais ils ne savent pas où c'est parce que le lieu est tenu secret jusqu'au dernier moment. Ça veut dire, évidemment, que pas d'autorisation, donc illégal. D'accord. Alors, c'est comme ça que ça marche. Et donc, pour les initiés, donc, je vous l'ai dit, ils savent qu'il va y en avoir. Et niveau communication, en fait, ça se passe sur Internet, en fait, avec des flyers, etc., etc. Le bouche à oreille marche très bien aussi au niveau local. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, en revanche, la communication au public, en fait, par tract, par voie d'affichage, elle est autorisée, mais elle peut être aggravante s'il y a plus de 500 personnes. Là, c'était le cas, il y en avait 60 000 en cumulé. Effectivement, donc voilà. C'est le, au niveau, dans le top 3 des technivals, on est sur un gros, un petit? Alors, on est dans un gros parce que, pour vous donner un ordre d'idée, il y en a eu un l'an dernier à Salbris. Il y avait à peu près 30 000 personnes dans le Loir-et-Cher, absolument, qui n'étaient pas aussi autorisées, hein, il était clandestin. Là, on est à 60 000 personnes, tout cumulé. C'est énorme. Pour la région centre, c'est, on va dire que c'est le deuxième. Il y en a eu un en Indre-et-Loire, voilà, à peu près 10 ans, mais qui, lui, était autorisé. Alors, qui dit fête imprévue, dit situation un peu d'urgence pour les... Situation un peu d'urgence, puisque du coup, pas de concertation avec la préfecture. Hein, alors, ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, il y en a eu, depuis 2015, en fait, si vous voulez, avant, c'était autorisé, c'était déclaré en préfecture. Et puis, en fait, le dialogue entre la préfecture et les organisateurs, ça se passait pas très bien. Donc, ils se sont dit, à partir de 2015, boum, on arrive, on le fait, et puis, etc. Et j'en ai oublié votre question. Alors, je disais qu'en fait, il fallait sécuriser. En fait, la fête se passera, oui. Coûte que coûte, elle est illégale, mais absolument. Elle se passe. Il va falloir gérer cette situation et du coup sécuriser le lieu. Là, on voit arriver des pompiers, des gendarmes, des branle-bas de combat. Alors en fait, les organisateurs, ils ont quand même on va dire, ils sécurisent quand même les lieux. Il y a des réunions qui se font tous les matins. Il y a des gens qui sont formés au premier secours. Donc il y a quand même une petite sécurité interne. Ouais, alors interne. Pour absorber 60 000 personnes, on voit les images là, effectivement, c'est en plein champ. C'est en plein champ. Alors pour mémoire, ça s'est passé voilà, à côté d'un lac, ouais. Donc ça c'était important. Le défi pour la préfecture, il est énorme. Parce que du coup, ils doivent gérer 60 000 personnes, enfin 30 000 par jour. Et du coup, il y avait 250 gendarmes qui étaient là, il y avait plus de 90 pompiers, sans compter le SAMU, la Croix-Rouge, les médecins, etc. Et des pompiers plongeurs, vous l'avez dit, juste dit, puisque le lac, ils en ont repêché 6 quand même dans le lac. Alors ils sont pas morts. Hein. Ils sont pas morts, mais ils ont empêché à temps. Ouais, donc voilà, donc c'est assez énorme. Pour le bilan, désormais, donc du coup, on parlait de... Il y a eu un mort, hein, malheureusement. Ouais. Et puis il y a eu beaucoup... On parle beaucoup d'une overdose. Les analyses toxicologiques sont en cours et apparemment, on se penche vers une overdose des blessés. Il y a eu plus de 180 blessés, donc 13 en état d'urgence, puisqu'il y avait des petits hôpitaux, on va dire, de campagne, mais il y a eu quand même beaucoup d'évacuations. Et puis, 250 rétention de permis, rien que ça. Et puis une dizaine de plaintes contre X. Donc le bilan est assez quand même costaud, quoi. Au niveau de, justement du... Alors finalement, ça se passe sur 4 jours, mais là, on sait qu'à l'heure où on enregistre, on est 2-3 jours après le technival, les institutions, les gendarmes sont encore sur le site parce qu'il a fallu ratisser les bois environnants pour savoir s'il n'y avait pas des gens qui étaient peut-être en train de dormir dans les bois. Il y a même un huissier qui est venu sur place pour justement constater tout ça. Pour pouvoir porter plainte. Exactement. Ensuite, donc on est chez des particuliers. Oui, là on était chez... Alors le terrain, il y avait 39 hectares, donc c'était à Pernet, au nord de Tours. On va peut-être voir une vue aérienne, en fait. C'est vrai que c'était impressionnant, c'était un espèce de camping géant. Et donc effectivement, les personnes ont porté plainte parce que, voilà, à l'improviste comme ça, on peut pas le gérer, quoi. Alors comment ça va se passer? Parce que là, c'est l'heure du bilan. Maintenant, il faut savoir combien coûte cette grande fête illégale, mais qui a un coût parce qu'il a bien fallu la sécuriser. Exactement. Il y a des... Ça y est, tout le monde...
monde commence à dresser cette facture. Les factures commencent à sortir et pour certaines, elles sont salées. Alors, c'est le cas du président du département qui a fait ses comptes. Lui, il a annoncé un coût de 150 000 euros, donc 10 000 euros pour le nettoyage, le déblaiement des routes, etc. 140 000 euros pour les pompiers. Donc, c'est quand même énorme. Alors, ça, c'est pour la partie immergée de l'iceberg. C'est juste pour le département parce qu'il va y avoir effectivement l'après. Il y a des analyses de stupéfiants qui ont été faites. Il y a des médecins supplémentaires qui sont venus. Il y a l'hélicoptère de la gendarmerie qui est aussi venu. Et donc, tout ça, ça va avoir un coût. Et le sous-préfet de Chinon, ce week-end, parlait d'un coût alors qui peut doubler, même voire plus, parce que tout ça, ça va coûter cher, il y a un après. Et donc, événement exceptionnel, mesure exceptionnelle, l'État risque quand même de peut-être d'aider financièrement à payer cette facture. Émilie, on en a beaucoup entendu parler, on va prendre un tout petit peu de temps pour cette partie. En fait, on communique donc par Internet, on n'a pas vraiment d'organisateur, on en a plusieurs, mais on ne sait pas vraiment qui, il n'y a rien d'officiel. Quels sont les retours qu'on a un peu sur le net sur cet événement? Parce que alors, tout le monde en a parlé pendant 4 jours, qu'on soit de Pernay ou non d'ailleurs. Bien sûr, parce que les réseaux sociaux là, jouent tout leur rôle. Les manifestations de ce type sont interdites, ça permet donc de mobiliser les gens au dernier moment. C'est parce qu'elles sont interdites que tout le monde se retrouve sur Internet, le mot se passe de cette manière. C'est ce qui fait le charme aussi de l'événement. Ouais, ça, c'est la première façon de communiquer, on va dire, et c'est la première façon dont on entend parler. La deuxième façon dont on en entend parler, c'est tout bêtement les réactions des riverains, les gens qui communiquent sur Facebook en disant « Mais c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'entends quelque chose. Qu'est-ce que vous savez ?» Et il y a vraiment des bouteilles à la mer qui sont jetées comme ça, des réactions. Ensuite, troisième type de réaction, ce sont les officiels, justement la préfecture, etc., qui va mettre en place des appels en disant « Ne passez pas par là, passez par là. » Beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup sur les réseaux sociaux. Et enfin, on a aussi tout ce qui va être communication de crise des organisateurs qui vont dire « Regardez, on n'est pas si méchants. Finalement, tout se passe bien. On n'est pas... » Voilà, regardez ce reportage photo, par exemple, qui voulait démontrer que les gens qui participent ne sont pas tous des chômeurs horribles qui vont mettre le bazar. Il y a des pions dans les collèges, il y a des menuisiers, il y a des ingénieurs à la poste qui viennent et ils vont remettre tous leur métier comme ça. C'est effectivement des photos du site quasi propre. Après, voilà la façon dont ils essayaient justement de laisser un site dans l'état où ils l'avaient trouvé. Donc il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux à ce moment-là. C'est vraiment en tout cas, ce Technival fera date. Merci, mademoiselle Audrey, on te libère. Peut-être un dernier point. Il y a beaucoup de cartes d'identité, de téléphones qui ont été trouvés. Je ne sais pas si on peut voir l'image. 20 téléphones et plus d'une centaine de cartes de gendarmerie sur le terrain. Avant de porter plainte, allez les chercher à la gendarmerie. Voilà, comme ça on sait qui est allé au Technival. Merci, Audrey. À suivre tout de suite dans le Grand Talk. Les secours sont prévenus dimanche à l'aube. Un homme est dans un état ultra critique. Lorsque les pompiers arrivent, ils ne peuvent que constater son décès. Cet homme avait 30 ans. Il n'était pas originaire d'Indre-et-Loire. Le parquet ouvre alors une enquête pour déterminer les circonstances de son décès. La piste criminelle est, semble-t-il, écartée, car selon les premières constatations, il s'agirait d'une overdose. Aujourd'hui, son corps devait être autopsié. Les résultats des analyses toxicologiques devraient donner plus d'éléments. Ce lundi, l'entourage, les amis de l'homme décédé étaient auditionnés par les services de gendarmerie. Durant le Technival, les secours ont également eu fort à faire. Sur les 4 jours, 179 personnes ont été soignées sur les postes médicaux avancés. Sur ces 179 cas, 33 ont été transportés à l'hôpital. Bilan, 5 blessés graves, 27 blessés légers et une urgence médico-psychologique. En bordure de la zone du Technival, une forêt. Les services de secours ont dû être très vigilants car de nombreux fêtards avaient allumé des feux ou des barbecues jour et nuit. Avec les rafales de vent, le risque d'incendie était réel. Autre gestion d'urgence, le risque de noyade. Avec ce grand étang autour duquel ont gravité 30 000 personnes, une équipe de 6 pompiers plongeurs a donc été réquisitionnée. Ils ont sorti 6 personnes de l'eau entre samedi et dimanche. Les pompiers ont également dû gérer de nombreux états d'ébriété, de coma éthylique et de malaise dus à la prise de différentes drogues.